Bonsoir à toutes et à tous. Ce fut un plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle édition du journal de TV Plus Madagascar. Je vous invite à le suivre jusqu'à la fin et maintenant, sans plus tarder, voici nos titres. Rencontre fructueuse entre le président de la République, Indra Dwin, le président de la Banque mondiale, Davis Malpass, et la directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, hier à Washington. La tenue de la concertation nationale réclamée par plusieurs entités politiques est vivement souhaitée selon le parti Oujkaf lors d'une conférence de presse ce jour. La religion et la consanguinité ne devraient pas constituer des moyens aux fins de dissimuler les actes de violence sexuelle, soutient l'organisation des femmes qui lutte contre la violence. Une augmentation du nombre des cas de viol incestueux et recensé récemment. Le transport par câble téléphérique est très utile pour la circulation dans la ville de Newark. Ce sont les touristes qui sont les plus intéressés par ce moyen de transport. À la une de nos actualités, rencontre fructueuse entre le président de la République, Indra Dwin, le président de la Banque mondiale, Davis Malpass, et la directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, hier à Washington. Indra Dwin a plaidé les sujets d'urgence du pays, à savoir le plan de redressement national post-cyclonique, le fonds vert face au changement climatique et le soutien de Madagascar face aux conséquences économiques de la guerre en Ukraine. La rencontre témoigne du dynamisme de la coopération entre Madagascar et les deux institutions ainsi que leur implication dans le développement du pays. Les détails avec Ftiavana Douni et Yves Rassat. Inédit. Le président de la République, Indra Dwin, a personnellement rencontré les hauts responsables des deux partenaires techniques et financiers historiques de Madagascar à Washington. Le voyage se déroule à l'aube d'une sortie de crise aux multiples facettes, à peine sortie d'une terrible crise sanitaire de 2 ans, n'épargnant aucun pays au monde. Madagascar a été frappé par de violentes intempéries, selon les propos du chef de l'État. La réunion répond donc à une priorité du président de la République depuis le début de son mandat, visant à maintenir le dialogue avec les partenaires techniques et financiers de Madagascar, pour le développement qui vise à redresser le pays et transformer Madagascar en pays industrialisé, compétitif et attractif, selon toujours ses déclarations. Indra Dwin s'était présenté devant Davis Malpass, le président de la Banque mondiale et Kristalina Georgieva, la directrice générale du FMI hier à Washington pour développer des sujets poignants et urgents du pays. En premier lieu, la présentation du plan de redressement national post-cyclonique. Le président Indra Dwin a ainsi plaidé en ces termes, vu l'ampleur des dégâts enregistrés et l'envergure des activités à mener dans le cadre de ce plan national de redressement, l'État malgache lance un appel à la solidarité et au soutien de ses partenaires techniques et financiers afin de contribuer à la mise en œuvre de ce plan national de redressement. Il a continué sur les conséquences dévastatrices du changement climatique à Madagascar et dans d'autres pays tiers. Il soulève la prise de responsabilité des pays pollueurs. Madagascar est en effet le premier pays à subir une famine d'origine climatique reconnue par les Nations Unies. Des changements ont été pris lors de la COP21, réaffirmés à la COP26, sur la constitution d'un fonds vert d'un montant de 100 milliards de dollars par les pays les plus gros émetteurs de CO2. Étant l'un des pays à subir fortement les conséquences du changement climatique, Madagascar figure parmi les bénéficiaires de ce fonds, mais malheureusement cela n'a jamais été concrétisé jusqu'à ce jour, rappelle Indra Dwin. Quant à la crise actuelle en Ukraine, le président de dire que la situation est regrettable et qu'elle impacte l'économie mondiale, les conséquences pourront également affecter l'économie et le pouvoir d'achat des Malagasy. Ce conflit crée une situation d'urgence exceptionnelle sur le continent africain et plus particulièrement pour les pays en développement tels que Madagascar. Nous nous retrouvons dans l'impérativité d'intégrer ces conséquences parmi les nombreux défis que nous devons relever. Pour éviter que cela n'accable outre mesure Madagascar, nous sollicitons un soutien et appui de la Banque mondiale et du FMI, qui sont plus qu'importants pour faire face à ce défi supplémentaire.
Et puis la tenue de la concertation nationale réclamée par plusieurs entités politiques est vivement souhaitée selon le parti Oujkaf. Lors d'une conférence de presse ce jour dans la foulée, les membres de ce parti réclament aussi l'abolition de la CENI et des autres institutions qui ne sont pas utiles mais qui sont source de gaspillage pour le budget de l'État. Oujkaf appelle aussi les partis pro-régime à adhérer à cette concertation nationale afin d'instaurer un climat d'apaisement avant les élections de 2023. C'est un récit de Sibella Rajemazava sur les images de Harfi Dijakoutmanan. La situation politique actuelle n'est pas garante d'une stabilité à l'issue des élections qui se tiendront en 2023 selon le parti Oujkaf. À part les problèmes socio-économiques générés par les impacts de la COVID-19 et des catastrophes naturelles, Madagascar est dans une situation critique selon toujours le secrétaire général de ce parti. C'est la raison pour laquelle Oujkaf appuie la démarche vers la réalisation d'une concertation nationale avant la tenue des élections en 2023. Autrement, ils craignent une nouvelle crise, voire même une explosion sociale, surtout si les dirigeants ne tentent pas à écouter toutes les forces vives de la nation. Dans la foulée, ils prônent la disparition pure et simple de la CENI et autres institutions qui ne sont pas utiles mais qui sont source de gaspillage pour le budget de l'État comme la HCC. La refonte totale de la liste électorale doit être faite dans les normes et dans les temps. Le parti Oujkaf appelle aussi les partis pro-régime à adhérer à cette concertation nationale afin d'établir un climat d'apaisement avant les élections de 2023. Dans un tout autre domaine, malgré l'existence de plusieurs centres de santé de base dans le district de Mouramang, les médecins se plaignent de l'insuffisance en matériel et fournitures de soins au sein de ces centres. Par conséquent, la plupart des malades, surtout les femmes enceintes, sont obligées de rejoindre les hôpitaux pour bénéficier d'une prise en charge adéquate. Or, ces hôpitaux se trouvent à des dizaines de kilomètres du village, précise le médecin-chef du CSB, Anoussibé Ifoudi. Afin de mieux servir la population, le président de la commission santé publique auprès de l'Assemblée nationale et non moins député élu dans ce district a réclamé auprès du ministère de la Santé publique l'obtention des fournitures médicaux. C'est un reportage signé Fanjessena Enamanakasna. Depuis plusieurs mois maintenant, des dizaines de centres de santé de base ont été construits dans les communes rurales et même dans les Fuktanj les plus enclavés, dans le district de Mouramang, et cela grâce à l'initiative de la population elle-même qui a cotisé pour la construction des bâtiments. C'est par la suite que le ministère de la Santé publique, à travers l'intervention du président de la Commission Santé publique auprès de l'Assemblée nationale et non moins député et élu dans le dit district, Louva Erzurdobeln, leur a fourni les matériels de soins nécessaires, tout en y affectant du personnel soignant, alors que l'éloignement des centres de santé et des hôpitaux, qui sont à des dizaines de kilomètres des villages, était la raison principale qui a poussé la population à construire leur propre établissement de santé de proximité. Le problème est loin d'être résolu. On ne soigne que quelques maladies, faute de matériel et de fournitures adéquates, explique le médecin-chef du centre de santé de base, Sisa Anoussibé Ifoudi. Des fois, on investit notre propre argent afin d'acheter les fournitures de soins pour mieux aider la population, ajoute-t-il. En conséquence, la plupart des malades, mais surtout les femmes enceintes, sont encore obligées de rejoindre les hôpitaux qui se trouvent à des dizaines de kilomètres du village. Afin de résoudre ce problème, mais surtout de réaliser le vœu du président de la République sur la santé de proximité pour tous, le député du district de Mouramang a revendiqué auprès du ministère de la Santé publique l'obtention des fournitures de soins pour les CSB du dit district. Son intervention a porté ses fruits et 52 CSB du district ont pu bénéficier des matériels de santé venant du ministère de tutelle. Le CSB Anoussibé Ifoudi a été le premier bénéficiaire de ces fournitures la semaine dernière, tandis que la distribution pour les autres centres de santé de base est en cours actuellement.
La religion et la consanguinité ne devraient pas constituer des moyens aux fins de dissimuler les actes de violence sexuelle, soutient l'organisation des femmes qui luttent contre la violence. Une augmentation du nombre des cas de viol incestueux est recensée récemment l'une des causes de ces méfaits dans la relation de proximité quotidienne des agresseurs avec leurs victimes. Pour la région d'Atsnanana, 6 femmes ont été victimes de violences sexuelles au cours des 6 derniers mois. Aussi, l'organisation de lutte anti-violence lance un appel au gouvernement de rendre caduque la pratique de l'arrangement à l'amiable et de renforcer les sanctions à l'encontre de ces violeurs. Reportage signé Gracia Giacitwegina Ivrasata. Les cas de viol augmentent fortement ces derniers temps, surtout à l'encontre des personnes vulnérables, à savoir les mineurs. Les jeunes victimes perdent toute leur dignité humaine à cause des atteintes physiques et du préjudice moral qu'ils ou elles subissent après l'acte de violence. De plus, une somme de près de 200 000 ariary au minimum est par la suite nécessaire pour les soins de la victime, d'après le constat d'une organisation de lutte anti-violence. Un montant qui est toutefois onéreux en tenant compte du pouvoir d'achat des Malagasy. C'est donc la raison pour laquelle il faut renforcer la lutte contre la violence sexuelle afin d'appliquer les sanctions les plus sévères aux auteurs de tels actes, soutient toujours cette organisation. Des efforts ont déjà été menés par l'État, mais cela ne suffit pas. Les luttes judiciaires et les réclamations tendant à punir sévèrement les coupables n'aboutissent à rien en général. Au contraire, c'est le processus de l'arrangement à l'amiable qui se fait dans la plupart des cas. Par conséquent, cette organisation lance un appel à l'État de mettre fin à cette pratique et à renforcer les sanctions applicables aux violeurs. La population est également encouragée à dénoncer tout acte de violence, voire même à livrer les auteurs de tels méfaits à la police pour aider dans la lutte contre la violence sexuelle. Et pour continuer, à Antananarivo, cet accident de la circulation a été recensé par la police nationale pendant les fêtes de Pâques, d'après le rapport de la police nationale. L'un de ces cas a été un accident mortel, 3 autres ont causé la destruction de biens et les 3 derniers ont causé les dommages corporels aux victimes. 181 personnes ont été arrêtées par la police dans toute la capitale pendant ces périodes. Pascal, les fêtes se sont déroulées dans le calme en général, d'après les explications. Ce que nous détaille Narijatin et Fecha Angia Mananzar. Le dimanche pascal comme le lundi de Pâques se sont déroulés dans le calme en général. Pour Antananarivo, la plupart de la population a opté pour des petites virées en famille ou entre amis aux périphéries de la ville. Les lieux de pique-nique ont presque tous été pris d'assaut pendant la journée d'hier, lundi de Pâques. Les forces de l'ordre qui n'ont pas manqué à leur devoir de sécurisation et de contrôle routier dans les endroits clés en ces temps de fête. Les éléments de la police nationale ont donc été vus un peu partout dans la capitale pendant ce week-end pascal. D'après les rapports, 7 accidents de transport ont été recensés par la police nationale lors des fêtes du dimanche 17 et du lundi 18 avril. L'un a été un accident mortel, 3 autres accidents ont causé des dommages matériels et 3 autres ont donné lieu à des blessures corporelles. 130 personnes ont été interpellées et ont fait l'objet d'une fouille. 51 d'entre elles ont été obligées de subir une enquête policière, 21 ont été immédiatement placées en détention provisoire et 15 autres seront traduites devant le tribunal à partir de ce jour, d'après toujours le rapport de la police nationale. Ces arrestations qui ont dû être réalisées au motif de la sécurisation de la ville, d'après les explications. La police nationale a précisé que même si les fêtes sont finies, leur mission de sécurisation et de contrôle routier continue toujours dans la capitale et ses environs. Et puis le transport par câble ou téléphérique est très utile pour la circulation dans la ville de New York. Ce sont les touristes qui sont les plus intéressés par ce moyen de transport. Le téléphérique est un projet rentable pour la ville de New York, puisqu'une seule cabine peut effectuer de nombreux voyages en une seule journée. L'utilisation de la ligne téléphérique diminue également la consommation en carburant et préserve l'environnement. Reportage. Alors que certains affirment que la ligne téléphérique ou transport par câble ne sert qu'en saison enneigée ou encore dans les zones rurales, ces images démontrent pourtant l'utilité de ce moyen de transport en plein mégalopole de New York, en traversant plusieurs bâtiments qui surplombent la cité. Pour cette ligne téléphérique, elle relie la ville de New York jusqu'à Roosevelt Island et comme tout autre moyen de transport,
un ticket est facturé aux passagers dont le tarif est de 3 dollars par personne, ce qui équivaut à 12 000 lariats. Ce sont les touristes étrangers, chinois, malagasy, français ou même américains qui empruntent généralement cette ligne téléphérique. Une cabine peut transporter 110 personnes par voyage, ce qui fait 330 dollars, soit 1 320 000 lariats par voyage. La ligne ouvre dès 6 heures du matin et ne ferme qu'à partir de 22 heures. Elle peut réaliser jusqu'à 70 voyages par jour depuis New York jusqu'à Roosevelt Island en 4 minutes. La durée d'un trajet de 1000 mètres à peu près. La ligne téléphérique à New York est très utile et bénéfique pour l'économie de l'État de New York. Le moyen de transport est en effet rentable et économique. Elle diminue aussi la consommation en carburant et favorise la protection de l'environnement. Il est temps maintenant de passer aux actualités internationales. À l'instar de la Libye, qui ne s'en sort pas sur le plan politique, en Irak, la situation est pareille. 6 mois après les élections législatives, le pays n'a toujours pas choisi son président ni son premier ministre. Pour cela, il faudrait qu'au moins les 2/3 du Parlement se réunissent, mais à chaque tentative depuis le début d'année, le quorum n'a pas pu être atteint, la raison étant que l'un des deux grands blocs politiques refuse aujourd'hui de partager le pouvoir, tandis que l'autre a suffisamment de députés pour bloquer les sessions parlementaires. France 24. En périphérie de Bagdad, Mohannad al-Assadi supervise la construction de nouvelles routes. Habituellement, ce chef de projet dirige une dizaine de chantiers similaires. Mais à cause du blocage politique, la plupart sont aujourd'hui à l'arrêt. La plupart des projets qui concernent les infrastructures comme les routes, les égouts et l'électricité sont financés par le budget de l'État. Comme le gouvernement n'a toujours pas été formé, le budget n'a pas été soumis ni approuvé. Au total, des milliers de projets seraient actuellement bloqués dans le pays. Mohannad ne cache pas sa lassitude. Nous, on a fait ce qu'on avait à faire en allant voter. Maintenant, c'est au tour des politiques qu'ils s'entendent, forment un gouvernement et fassent avancer le pays. Les délais pour former un gouvernement sont toujours longs en Irak. 5 mois et demi en moyenne. C'est normalement le temps des négociations entre les deux grands blocs politiques. Mais pour la première fois en près de 20 ans, ces discussions n'ont tout simplement pas lieu. Car le grand vainqueur des élections, Muqtada Sadr, ne veut pas partager le pouvoir et refuse de consulter ses adversaires, des partis proches de l'Iran, dont cette députée fait partie. Depuis 2003, la gouvernance repose sur le consensus. Toutes les composantes de la société doivent s'entendre entre elles. Aujourd'hui, ils veulent rompre avec cette tradition. Très bien, mais c'est notre droit de former une alliance et de boycotter les sessions parlementaires. Aucun de ces deux blocs politiques n'a la majorité absolue pour imposer ses choix au Parlement. Résultat, le pays est aujourd'hui dans l'impasse et la population souffre des retombées. En particulier dans les quartiers pauvres, où les habitants vivent souvent dans l'attente de projets censés améliorer leurs conditions de vie. Pendant les élections, on nous a promis que des projets seraient lancés dès la formation du gouvernement. Par exemple, ils nous ont dit qu'ils allaient nous débarrasser de toute cette décharge pour qu'on puisse vivre normalement ici. Si vous saviez comme les odeurs et la fumée nous rendent malades. Rien ne permet de dire que ces promesses seront véritablement tenues. Mais tant que le gouvernement ne sera pas formé, c'est aussi l'espoir d'une vie meilleure qui est à l'arrêt dans le pays. Et puis voilà, c'est le point final de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi jusqu'à la fin. Je vous donne rendez-vous à très bientôt à 19h30 pour le journal en version malagasy. À très bientôt.